Salut mec, c'est Manny et ouais, Bourmelet est avec, Gigi est avec moi. Bonjour. Avec un youtubeur, il n'y a plus rien de privé. Elle va faire ses premiers tours de roue, donc elle est en 8S par contre, hein, bridé la puissance, elle est tranquille. Là on est en 6S, pépère, c'est la MT2. Donc je te suis, vas-y. Tu te vois comment ça marche. Là, elle est douce à rouler, hein. Elle est pas brutale. Tu fais exactement comme tu m'as demandé. Hein. Tu m'as dit des grosses suspensions, des gros pneus et pas brutal à rouler. Oui, ça fait combien de temps que tu as roulé? Ça fait facile un an que tu n'as pas roulé. Hein. Alors, c'est sable comme tu voulais, c'est maniable. Oui. On peut se promener hein, si tu veux sur le terrain un petit peu. Enfin, on peut avancer pour l'instant. Donc, tu veux pas rouler pendant que tu marches. Deux choses en même temps, c'est un défi. Les filles savent faire ça. Il dit quoi cette manœuvre? Un hasard. Je pense que le frein, si tu freines un peu, ça freine doucement. Hein. Pas obligé oui, de piler. Là, mieux, ouais, exact. C'est rigolo avec l'airboat, ça fait des rebonds dans l'herbe. Ouais, ça s'est dégagé pour toi le terrain. Oui, faut pas encore mettre des jambes. En tout cas, tu peux pas dire que tu le vois pas. Hein. Ça va, t'es à l'aise? Oui. Tu as déjà changé ou ça te va comme ça? Oui, c'est bien. T'as vu qu'il y a même des petites lumières devant? Faut que je t'en rajoute derrière. Pour mieux te voir, mon enfant. Attention parce que je sais pas ce qu'il y a là-bas en fait. Un trou ou pas? Non, ça va. De toute façon, il passe avec le tracteur, c'est clair. Oh, c'est renversé. T'as réussi à faire ça comment? Bah, j'ai roulé, c'est renversé. Mais t'as oublié de ralentir en tournant ou? Non, j'étais même pas à fond. J'ai pas compris. Hein. Oui, mais t'as tourné sans lâcher les gaz, sans faire gaffe. Ah, c'est parce qu'il y a des... T'as dû rouler sur le tas d'herbe en même temps. Merci. Tu veux échanger vite pour moi? Non, c'est bien. C'est bien. Ah, c'est bon signe, elle veut pas le prêter. Ce qu'on aime bien faire avec Raph, c'est on se met au milieu, on tourne autour de nous. Comme ça après en plus on a le tournis. Ah oui non mais c'est pas un peu compliqué après.
T'en fais pas, petit monstre rose, quand j'aurai mis la carreau noire et les grandes roues, on te fera aller plus vite. Mais ça va sur les gaz, il est agréable, hein ? Oui. C'est facile à contrôler, là. Ben, surtout, hyper maniable. Hein, ah, c'est là. Quand ça fait ça, en fait, tu... Tu serres les fesses et non, en général, non. Tu braques vers le sol. Donc, si c'est penché comme ça, tu remets la direction vers le sol. Et ensuite tu réaccélères, comme ça il ça le raplatit vers le sol. T'as compris? J'ai compris, je vais savoir leur faire. Donc comme ça en fait, tu vois. Si tu es en train de te renverser comme ça, tu rebraques immédiatement vers là et du coup la voiture elle va redescendre. J'ai compris l'idée, c'est que quand j'y serai, oui. Moins spontané. Ouais. Ou même juste lâcher la direction, ça suffit normalement, tu veux. Petite pointe. Oh, voilà. Bah si j'arrive derrière à gauche, chaton, tu peux pas tourner me couper la route à gauche. Donc ça, si. Quoi? C'est quoi? Ah ouais? Oui. Déjà la coupure. Un problème avec les batteries. Non, je vois. C'est bizarre. Ben j'ai essayé de te redresser. Oui, mais comme ça, cette fois t'as vu, ça sert pour rien. Ben oui, mais là tu fais des manœuvres un peu... Tu vas contre la physique, en plus. Merci. Oh, ça part tout seul, ça. Hein. Ouais. Voilà, on en a plein, là. Se renverse parce que le terrain est accidenté. Non, parce que tu fais des manœuvres peut-être un peu osées à haute vitesse. Tu braques trop fort la direction. Là. Peut-être un peu plus douce. Peut-être mal réglé. Non, non. En plus, t'as vu la différence? Moi, je bondis derrière et le tien, il passe tranquille. T'es où? T'es parti de l'autre sens. Tu sais plus où cuculer la tête? J'ai fait attention aux arbres parce que des fois ils traversent le centre. Oui. Maîtrise la marche avec. Ah, pardon. Bah non, je me suis arrêté parce que tu as tourné trop sec. C'est quand tu freines trop fort. Tu vois, voilà. Je suis entier. Ouh. Là, tu me fais plaisir. C'est arrêté? Ouais. Ah, mais c'est une coupure.
Oui, ben, je pourrais devoir un problème avec les batteries, alors, je sais pas plus. Ah non, ça y est, c'est reparti. Oui, non, mais justement, elle doit quand même avoir... Il se met au cut-off automatiquement, il faudra que je vois ça. Parce que les batteries, j'ai juste essayé 5 minutes dans la rue, donc elles pouvaient pas être vives. J'avais débranché tout de suite. C'est moi qui roule, dans 5 minutes. Bah ouais, surtout... Bah surtout avec ce que je t'ai mis dedans... T'as de quoi faire avancer le X-Max là-dedans. Et vu que tu roules pas plein gaz, ben ça va durer. Ben t'as remarqué, chaque fois que t'as mis un coup de plein gaz, quand même qu'il y a la coupure. Alors, je sais pas si c'est une batterie qui faiblit, il faut que je change le mode de coupure, je verrai. Non, tu vois, ça coupe pas. C'est bizarre. Et là ça repart pas. T'as encore de la direction ? Ouais. Non, là il est en coupure, c'est ça. Ah bah moi aussi. Ah non. Hey, bah moi oui. C'est bien que j'ai arrêté là. Si si, mais c'est ça, c'est la batterie qui s'effondre. Arrête-toi. Enfin reviens vers là. Viens vers toi. On va aller checker